y a quelques années, Laurent, employé bancaire au Luxembourg, n'était pas vraiment familier des hôpitaux. Mais aujourd'hui, cela devient presque son bureau. En 2012, avec son associé et épouse, il rachète une boîte dans un domaine qu'il ne connaît pas du tout, la vente et réparation d'instruments chirurgicaux. Il voulait à l'époque reprendre une entreprise et en avait contacté plusieurs. Mais celle qui a vraiment retenu toute notre attention est MD Médical, avec son métier particulier de niche dans le bloc opératoire où on fait du commerce certes, mais un commerce au service de la santé des patients d'un hôpital. Pour Pierre-Louis non plus, il n'a jamais été question de créer sa boîte. Il a d'abord emmagasiné de l'expérience, appris comment bien gérer une entreprise et maintenant il met tout ça en pratique chez ce fabricant de peinture pour artistes très haut de gamme. J'ai travaillé 6 mois avec Jacques Blox. Il m'a donné les clés de l'entreprise. Il a d'abord travaillé 4 mois, il venait tous les jours. Et pendant 2 mois, il est venu 2-3 jours semaine. Et la transition s'est faite très naturellement. Alors, j'ai la chance qu'il habite vraiment pas loin. Et encore aujourd'hui, quand j'ai des problèmes, je fais appel à lui. Et on a vraiment une excellente relation. La peinture Blox, c'est en fait une histoire de famille. 4 générations de Jacques Blox à la tête de l'entreprise. Mais aucun enfant du dernier patron ne veut continuer. À l'âge de la retraite, il cherche un repreneur pour faire tourner ses vieilles machines, vieilles de plus de 100 ans. Et Pierre-Louis arrive en messie. Prochaine étape, la signature d'une convention de cession. D'ailleurs, plusieurs organismes peuvent accompagner les deux parties pour ce moment stratégique. Dans la convention, on aura prévu des garanties d'actifs et de passifs, c'est-à-dire des engagements que souscrit le vendeur pour que tous les risques qu'il a encouru, que l'entreprise a encouru jusqu'au moment où on fait la transaction, donc on transmet la propriété, soit couvert. Grâce à ça, l'acquéreur peut être tranquille et se dire que ce n'est pas lui qui supporte économiquement le risque de ce qu'il n'a pas géré. Nous voici dans l'atelier de MD Médical. Si ses patrons n'ont jamais voulu créer leur propre boîte, c'est qu'ils ne voient que des avantages dans la reprise, comme démarrer non pas d'une idée, mais d'une base concrète. Ça nous permet directement d'en tirer un revenu. Donc, on commence avec une activité, on commence avec des clients. Donc, on bâtit notre futur sur quelque chose qui existe déjà. On peut se permettre de se payer tout de suite. C'était ce qu'on voulait. Vous reprenez une entreprise qui a déjà fait ses maladies de jeunesse, une entreprise qui a ses fournisseurs, son marché, une entreprise qui a son personnel, qui a son atelier. Et donc, pour toutes ces raisons, reprendre une entreprise peut s'avérer moins risqué que de créer une entreprise. Un bon plan, surtout qu'il y a un potentiel de société à reprendre énorme en Wallonie, avec notamment de nombreux départs à la retraite qui approchent. Mais fatalement, racheter une boîte, cela coûte plus cher que de la créer soi-même. Il faut un certain montant de fonds propres. Il faut compter entre 25 et 30% de fonds propres par rapport au prix négocié de l'entreprise pour se lancer. Et il existe, à côté de cette mise de fonds propres, des mécanismes pour lever des fonds dans le secteur privé. Et le public est là pour aider à ça. Et puis, une reprise est toujours bien vue par le marché. Elle permet de rafraîchir les idées, innover, changer, apporter tout simplement une nouvelle vision. L'ancien propriétaire disait souvent, il n'y a pas besoin d'améliorer le packaging. Les gens savent ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a de meilleur. OK, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut aussi montrer par l'emballage que ce qu'il y a dedans est vraiment le meilleur. Avec déjà 15% de croissance chaque année depuis qu'il est là, Pierre-Louis vise maintenant la conquête de marchés où il est un peu moins présent, comme la France. Après leur déménagement de Jean Blou à Vedrin, l'agrandissement des locaux et après avoir presque doublé le personnel, Marie-Hélène et Laurent livrent et réparent les instruments de quasi tous les hôpitaux de Wallonie. Leur objectif, conquérir carrément toute la Belgique.